Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de War Tales. Alors la dernière fois on a failli crever deux ou trois fois je crois. Hein, c'était très compliqué. On a combattu des pestiférés, des zombies là, qui étaient niveau 9. Dans une des villes maudites, c'était très très limite. Donc plus jamais, pour le moment, plus jamais. En plus on avait pris des gens qui étaient niveau 7. Donc c'est à dire que quand vous êtes niveau 7 ici dans la troupe, vous avez de l'équipement niveau 5. Donc ouais. C'était un peu compliqué. Donc plus jamais, on attendra que tout le monde soit niveau 8 hein, pour le moment. Parce que je crois qu'il y a encore un autre village à faire. Donc on verra ça plus tard. Aussi, si vous entendez de la musique, j'ai fait le luth. Donc il est là. Vous pouvez jouer des morceaux dans les tavernes pour récolter un peu de crone et d'influence. Barde assignée confère un de volonté à chaque compagnon. Ça, honnêtement, je sais pas si c'était un de volonté avant... Je crois que c'était de l'influence à la blague. Enfin, je sais plus, vraiment. Mais en tout cas, ça fait un de volonté à tout le monde, donc c'est bien. Je sais pas si on peut l'augmenter. Je crois pas qu'on peut l'augmenter. Je l'ai créé, mais j'ai pas trop fait attention. Non, on peut pas l'augmenter. Ça, c'est un peu bête. J'aurais bien voulu que ça donne un peu plus d'influence une fois qu'on l'a augmenté. Pardon, de volonté. Mais ouais, c'est là. Je savais pas trop où le mettre. Je pensais le mettre devant et tout ça, mais ça n'a pas trop de sens. Donc je l'ai mis juste là. Il est là. Et du coup, il est devant ceux qui combattent. Donc la personne peut faire de la musique pour eux, on va dire. Pardon. Ah oui, tiens, il faut virer le cadavre jeté. Oui, détruire le corps. Donc voilà, on a le luth ici. Donc ça, c'est sympa. Aussi, j'ai mis Miguet en tant que barde, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de barde. On a utilisé une fois barde il y a longtemps. Et après, la personne a changé de job, parce que voilà, barde, c'était pas vraiment demandé. Alors, j'ai pensé au début à mettre un des lanciers, genre par exemple Lida, parce que Lida n'a pas vraiment de boulot à part Marmiton. Mais le problème, c'est que Lida, en fait, fait partie des gens qui sont venus tard dans le groupe. Donc, ils sont un peu en arrière, en fait, par rapport à l'expérience. Donc, c'est pour ça qu'ils restent un peu au milieu à combattre, hein, à s'entraîner. Et du coup, il n'y a que Miguet, en fait, qui est déjà des niveau 8. Un peu comme Laura, Duhan et tout ça. Et Miguet, elle a que... Donc, elle a Marmiton et elle a aussi Forgeron. Mais maintenant, Forgeron, c'est Ménette. Donc Miguel, elle faisait que Marmiton. Donc du coup, elle va faire barde maintenant. Donc ça va être son boulot. Donc c'est cool. Aussi, on a... Ce qui m'embête un peu, parce qu'on a quand même... On avait 5, en fait, Marmiton mètre d'activer. Donc la consommation, c'était 88, du coup. Et là, on est monté... On a plus que 4, donc on est monté à 90. Donc ouais. Mais on va virer un des... des esclaves là et après on va ça va réduire un peu le coup mais voilà c'est maintenant c'est le camp il est comme ça c'est cool. Il y a des musiques à apprendre. Alors remporter un combat avec une seule unité non mourante, très dur à faire en fait quand on a un groupe aussi grand. Remporter un combat contre 8 unités ou plus avec une équipe sans aucun équipement. Ça, on pourrait le faire, honnêtement. C'est pas très compliqué. Il suffit juste d'avoir des animaux. Donc, ça irait. Avoir un sanglier nommé Jambon et lui faire tuer 5 unités en un seul combat. Est-ce qu'il faut mettre sanglier adopter Jambon comme surnom et ses compagnons aiment bien ? Mettre les majuscules et tout. Jambon, ok, c'est bon. On va tester. Pourquoi pas. On peut tester, ça nous fera des musiques différentes. C'est 5. C'est beaucoup 5 quand même. On fera ça peut-être. Je ferai ça peut-être en... de mon côté quand je retournerai à Tiltren. Donc ouais, la dernière fois on a failli crever, mais on a fini quand même le village maudit. Il y a juste un truc qu'on n'a pas fait, c'est... Je crois récupérer des saphirs. Et c'est tout. Non, on n'en a pas besoin. Donc ouais, c'est compliqué hein, ces endroits-là. Surtout quand vous n'êtes pas vraiment du niveau. J'en avais parlé la dernière fois, je crois que quand moi je l'ai fait en early, du coup moi j'avais fait la région de Grimir.
de Gothenburg, pardon. Ouais, province de Grimmir, royaume de Gothenburg. J'avais déjà fait ça, en fait. J'avais déjà fait cette région. On va aller... qu'est-ce qui nous manque? Il y a la traquée. Donc du coup, on va dire que j'étais déjà assez haut niveau en fait quand je suis venu ici. Donc du coup, ouais, c'était un peu plus facile. Mais là j'avoue que c'était un peu difficile. Alors le compte-rendu décrit un cadavre quelque part entre la prison de Luderne et la grotte. Prison de Luderne et la grotte. Oh, je crois savoir où c'est. Enfin, c'est pas très loin. Ouais, on va aller là. On va faire la meute. Donc ouais, c'était quand même bien dangereux hein, la dernière fois. Voir s'il n'y a pas des missions. J'ai eu un peu peur, hein, j'avoue que j'ai eu un peu peur hein, de que les gens finissent mal. Légèrement peur. Ça... Ah oui, c'est vrai qu'on a récupéré des objets du coup. Bon, ça c'est bien. Alors, ça... Ouais, ça on va le détruire. On a ça, tant que cette unité est engagée, elle a lanière de cuir. Garde augmentée de 10%. C'est pas mal, hein, ça. Et après, ça c'est un peu bizarre, dégâts augmentés de 50%, mais cette unité peut seulement utiliser l'action de base. Un peu étrange. C'est un peu étrange. Garde. Ouais, bof. Le problème, c'est qu'on n'est pas souvent... Ouais, c'est pas tout le temps, quoi. Pourquoi j'ai des... Ah oui, c'est vrai qu'on a changé d'ours. C'est vrai qu'on a changé d'ours. Voilà, très bien. On a deux ours niveau 9 maintenant. Donc ça c'est sympa. Très beaucoup d'HP les deux. Très résistant. Ça on va le détruire au camp. Comme ça nous fera des... Parce qu'en fait là on utilise énormément de matériaux bruts au final. Par contre le truc c'est qu'on est revenu sur un bricoleur qui débute. Donc du coup on n'a plus le fait de réparer un peu plus. Mais bon, c'est pas trop grave, honnêtement. Ouais, on va faire la traque. Très bien, choper eux avant. Attends. On va attendre qu'ils reviennent, qu'ils ressortent. Stand back, peasants. These valuable commodities are only for those who can... Tais-toi, je viens de tout t'acheter déjà. Dieu. Je veux bien prendre les... Ça. On va passer par là. Je me demande si c'est elle. C'est bête parce que c'est la nuit là, c'est le bon moment. Il est là le cadavre. Alors. L'expérience sur le visage de cet homme est plus terrifiante encore que ses blessures. Non, c'est pas ça là du coup. Attention aux moustiques. Mon dieu, où est-ce qu'ils vont les trucs? Non. C'est moi. Où est-ce qu'on va?
Je vois plus rien. Je crois que ça disparaît ici. Là. Je pense que la meute doit être là. Est-ce qu'on peut dormir et y arriver? Ça. Ok, c'est pas mal. Alors, fais voir si on est bon. Ah oui, je vais fouetter des gens. Parce que c'est fun. Non, je déconne. Si, mais... C'est parce qu'on veut se débarrasser d'une personne. Alors... Eh bien, pas survécu au coup de fouet, c'est nickel. 3, 3, 4. Ok, nickel. Regarde, tu peux venir avec nous maintenant, c'est pas magnifique. Méfiant. T'inquiète, mec, t'inquiète. Est-ce que le butin qu'on a tiré du village maudit valait de nous mettre autant en danger? Je me demande si ce groupe tient autant à la vie que moi. Se méfier, se confier, dédommager. Non, prime de risqueur, pas du tout. Oh là là, t'es sérieux? Se confier sur cette... Putain, on a tellement de peu de points. Ok, il y a toi, il faudrait qu'on te blesse aussi, Willinus. Willinus, tu vas prendre des buffs. Le mieux, ça serait d'avoir des gens en fait qui sont vraiment blessés, comme ça, et on les soigne pas. Comme ça, on peut les fouetter de temps en temps, en fait. ça semble très méchant de dire ça, mais ouais, on peut les fouetter de temps en temps, en fait, sans qu'ils risquent de mourir après. Genre on les soigne et tout ça. Mais on garde toujours le moins 20% pour la blessure. Vous voyez? Celui-là, quand il est blessé comme ça, il a moins 20%, ce qui est bien. Mais on peut pas le refouetter. Alors que là, il a moins 20% déjà de base, parce qu'il est déjà blessé. Mais là, on peut le fouetter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être ça. Allez, c'est parti. Ils sont 10. Ah oui, toi tu t'es fait blesser par les abeilles. C'est vrai que j'avais pas fait attention. Putain. Vous êtes 10. Là vous êtes un peu moins de 10. Ils doivent se cacher quelque part. On va rester tous ensemble. Ok. Laura. Laura, elle est où? Laura, elle est là. Bien. Ah, d'accord, super. Pas mal ça. Putain, les dégâts quoi. Bon, après vous êtes niveau 9, c'est ça? Ouais. Ah, vous faites mal quoi. Ok, on voit pas. Yeah.
pas mal. C'est pas si mal. On a aussi des moustiques parce qu'on est dans un marécage. Joli. Très bon dégât. Hein, quand même. Pas où ils sont, on va les laisser venir. On peut envoyer les ours aussi. Ah. Joli dégâts. Là, ils sont 5. Ah oui, on a lui à tuer. J'avais un peu zappé en fait. Se mettre là. Ok, alors vous venez d'où? Ok, on n'a pas encore vu. Ça marche. Un cauchemar vient d'apparaître. Ok, il est là, le cauchemar. Alors, le cauchemar, il a inflige 25 dégâts à la santé, applique lien de terreur à la cible et à un autre compagnon aléatoire. Cette unité subit 3 de terreur à la fin de son tour, retiré quand il devient adjacent à un allié affecté par cet effet. Alors, allure terrifiante et il a allure cauchemardesque. Chaque fois que cette unité subit des dégâts, elle applique 1 de terreur à l'attaquant. Bon, en gros, vous faites pas toucher, quoi. Booster tout le monde. Ouais, 4. Ça fait beaucoup de gens, mais on n'a pas trop de personnes pour bloquer en fait.
se bloquent un peu les uns les autres. Que le terrain à chaque fois est quand même vachement limité en fait pour la... pour ces zones là. On n'en a pas vraiment l'impression, mais si. Alors on peut... Il nous reste encore 16 mètres à faire. Très bien. Joli. Très joli. Ok, très bien. Tous les buffs, quoi. Les gaz subis est réduit de 10%. Ça. 10%. Il passe où le chien? D'accord. Ah oui, là-bas. Ah ben putain. Ah mais ça marche bien, hein. Tiers bestial, là. Enfin, le tiers normal avec la track de proie et tout ça. Honnêtement, ça marche vraiment bien, hein. Puis avec nos buffs et tout. Ok. Ah merde. On a encore 4 cibles quand même. C'est beaucoup. Et l'autre il est dans le brouillard là. On va y arriver, hein, c'est pas le problème, c'est juste que... embêtant, quoi. Ils se déplacent pas très loin, en fait, j'ai remarqué les... Ah merde, il reste... Oh, trouvé. Chaque fois tu les one shot. Moi je veux tester genre là j'ai jamais testé ça encore. Donc tous les animaux adjacents à la cible effectuent une attaque d'opportunité sur la cible. C'est énorme parce qu'en plus c'est comme attaquer. Genre l'habilité. Mais à chaque fois j'arrive jamais à le faire parce que ça se produit jamais le moment. Putain, il fait super mal maintenant. Utilise des animaux pour passer les tours. Ça aussi c'est pratique d'avoir des animaux. Du coup on peut passer les tours facilement. Je trouve. Ah.
très bien. Toi, t'as pris cher? Ah oui, non, toi, toi. Yes, on a fait la traque. Traquer la meute, c'est là. Bon, au final, c'était pas très loin de chez eux. Faut qu'on passe derrière. Comment on fait? Par là. Tada! Il y a des ours apparemment qui combattent, je crois. Reste de bois. You have something to trade. Strangers usually don't. Non. C'était là, là? Glad to see you're still alive. Oui. Did the pack seem different to you this time? Maybe more unsettled or aggressive? Ben, on a eu un cauchemar. On a eu un cauchemar cette fois. Nah, forget that. Here's your reward. You've earned it. La première fois qu'on rencontre un cauchemar. Alors, le renfort du bœuf. Je vais voir. Le renfort du bœuf, c'est garde et armure. J'ai envie de dire, honnêtement, la garde, bah c'est bien pour les tanks et tout ça. Mais nos tanks sont déjà dans les presque quasiment 50, des purs tanks avec bouclier, je parle. Genre, on prend Duan, il a 55. Menet, il a 53. Donc, honnêtement, on n'a pas vraiment besoin de la garde en plus. Je pense quand même que force reste mieux. Genre force armure, je pense que ça reste le plus intéressant. Parce qu'il faut quand même faire des dégâts. Donc voilà. Alors après honnêtement, c'est la même chose pour les combattants à deux mains. Plus vous avez de force, plus vous allez faire mal. Par contre, je suis un peu déçu de cette épée. J'avoue que je suis un peu déçu. Fait pas extrêmement mal. Enfin, ouais, je sais pas. On pourrait leur mettre pour avoir un peu plus de garde, mais comme j'ai dit, hein, le coup d'avoir de la force, ça aide pour les dégâts, parce qu'en fait, dès que vous n'avez pas la force, ça descend bien. Genre par exemple, bah tiens, on peut le voir, genre le dégât c'est 18-23, 16-19, vous voyez. Donc on voit quand même la différence, hein. On voit la différence. What brings you here? Looking at you reminds me of what I've lost. Necessary. I followed Sununa to the hill in Garusa before losing sight of her. This fog in the swamp, from children to trackers, anyone would feel their blood run cold in there. Ouais, bah c'est la brume qui l'a emporté. Avec notre aide, évidemment. Elle était à moitié givrée. Ah non. Ils sont juste en stand-by en fait. Alors, lieu défendu. Pourquoi ils sont en stand-by comme ça? Bizarre. On dirait qu'il y a un combat en fait. Je sais pas. On s'en fout. Alors, maintenant on va où? Alors, fais voir. Invasion bras, invasion de l'amour fou. Ça c'est pour le boss. Alors, pour faire progresser le scénario, explorer la région, acheter des renseignements, l'informateur. Donc il faut continuer à explorer la région. Je pense que là ou là. Je pense. Arrak, c'est un peu compliqué pour trouver le chemin en fait. Trouver les endroits. Ouais, on va passer par là. Ah, ils ont tué des moustiques. Ah, c'est ça le bruit qu'on entendait, c'est des moustiques morts ça. C'est sûrement la garde qui devait combattre.
voir un peu. Des renforts arrivent. Ouais, ils sont vénères ici. Mais on pourrait attraper des ours niveau 10. Ah ah. Je crois que ça serait intéressant. Ça. Ça serait intéressant. Après, la garde avec renfort et tout, c'est compliqué. Hein. Ils sont vénères. Et merde. Ouais, non, mais là, y a rien, en fait. C'est pas là qu'il était mort, notre sanglier? Si, c'est là. Mince, pas de viande pour nous. Ça galère de se déplacer dans le bois. Dans la forêt. Ouais, faut qu'on monte. On va reprendre la route parce que là. Allez! On est bloqué sur des cailloux, je suis sûr. Ok, go. Carte des moustiques là, on va passer par là. Ah oui, il y a la garde aussi là. J'ai vu des gens là. Ouais, eux là, je crois qu'on s'en fout pour le moment. Ah oui, on a aussi une carte au trésor. Je sais pas où pour le moment. Pas très grave. De toute façon, on verra ça plus tard. Ferme en ruine. Est-ce qu'il y a quelque chose à gauche? Là, c'était la femme qui voulait un... Ouais, un crocopore. Non, faut retourner dans la forêt, aller sur la droite, je pense. Je vais être honnête, je sais plus du tout où sont les jeunes. Ancienne mine des Dorans. Est-ce qu'il y a... Yes. Après, quand on aura des gens niveau 8, on retournera en ville pour récupérer le nouvel équipement. J'ai fait toutes les armures, mais j'ai aussi fait les armes. Genre les lanciers, il y a deux halbardes qui attendent. Parce que les lanciers, ils sont un peu à la ramasse niveau dégâts, faut avouer. Ah putain, t'es sérieux? Ah, oh, ça sent embêtant, ça. Voilà. C'est les carcasses qui ont vraiment augmenté notre poids. Ça sert à rien. Sans déconner, c'est où les endroits? Incroyable ça. Putain, je suis limite, on va prendre des renseignements parce que là je...
Ouais. Allez, on y va. On va aller acheter des renseignements. Ah merde. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Ah, fait chier. Ouais, combattre. Ah, vous tombez mal parce qu'on est fatigué, on peut même pas courir en fait, même si on est distrait. Non, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 3, 2. Je peux avancer? Non, je peux pas avancer. Oh, je peux pas avancer. On a tellement peu de... un peu. Voilà, on n'a pas beaucoup de bravoure. Eh, quand même. Chaud, toi, hein. Ah ben nos dégâts, c'est pas trop ça. Hein. J'avoue. Ouais, les lanciers même, c'est encore pire. Ils sont tellement à la ramasse. Non, je me suis un peu bloqué en fait. Ok, je peux passer. On va se mettre là, comme ça il se prendra des flèches. Ah, ça compte pour deux tours, enfin deux actions en fait dans le périmètre. Pas mal celle-là. Pas mal du tout. Ok, on n'a pas touché ce groupe-là.
Ok. Y a pas trop de difficultés, hein. Y a pas de problème, hein. C'est juste que bah on fait plus trop de dégâts parce qu'on est fatigué, du coup on a quoi, c'est moins de 30% je crois. Je crois que c'est moins de 30% en dex et force. Ouais. Donc du coup ouais, ça prend un peu de temps. L'ours a tapé alors que il n'y avait plus rien. J'ai pas regardé qui jouait, c'est pas grave. Très bien. Je trouve que les dégâts sont bien élevés même sans faire du crit. Je trouve que ça fonctionne bien là ce qu'on a. Ah mince. Mince, mince, mince. C'est... Je dis mince parce que c'est pas le bon lancier en fait. Si ça avait été l'autre, on aurait pu contrer. Alors... Pas grave que ça prenne plus de tours parce que de toute façon on doit se reposer, donc ça revient au même. Ah bah c'est bon, on va pouvoir le tuer. On va finir ça en un round comme d'hab. Très bien. Et on est encore. On va devoir virer les carcasses parce que là ça devient un peu trop. Donc toi, Willinus. Très bien. C'est vrai que là ouais, maintenant on a une personne qui est occupée pour la volonté. Enfin, après, techniquement, on n'a pas besoin d'avoir une volonté de plus, mais c'est vrai que c'est quand même utile, la volonté. Donc, ouais, on va rester bloqué comme ça pendant un petit moment, je pense.
7. Voilà. Tu mets des piqûres, pas de problème. Empêcher de s'enfuir, empêcher de s'enfuir. On est au max de bravoure, très bien. Qu'est-ce que tu veux, toi? La compagnie m'aime bien, n'est-ce pas? Que vous m'enlevez ces chaînes? Non. Non, merci. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Il y a combien de remèdes? 10, ça va. On a plein de bouteilles. La meute fantôme, on s'en fout. Allez, on rentre. Ouais, on avait dit qu'on rentrait, qu'on devait gérer notre inventaire un peu, parce que là on a trop de choses qui traînent. Et après on achète des renseignements aussi, parce que j'ai pas trop envie de tourner en rond. Alors, je les ai mis où les carcasses? Ok, je les ai pas rangées nulle part. On a que des carcasses. Putain. Les 8. Ouais, ça va. Très bien. On a beaucoup de ça. L'autre vie, on la dépose. Personne n'a monté de niveau depuis. Hein. On est à combien? 683 sur 749. On peut faire un peu mieux. Alors, la traque, c'est fini. On a des dents à vendre. 670. Ouais, c'était toute la viande. C'était quand même bien lourd. On a du porc aussi. Le fromage en vire. Ok, très bien. Ah, on a... on vient de... Oui, ça fait un petit moment qu'on est... Voilà. Ah, on peut chanter maintenant, c'est vrai. D'aventure en aventure. Oh mon dieu, c'est fort. Méga fort comparé au reste du son. My grandfather was a soldier in the Edoranian Legion. He fell in love with my grandmother during the war. You know what he did? The blighters switched sides. J'en ai rien à faire de ton histoire à chaque fois, c'est top. Je cherche, voilà la. Les chiffres siphon, font les petites marionnettes. Might she be looking for work? Here is your reward. Nickel, 3008, c'est bien. Des troupes. Non. Les rats non plus. On peut peut-être prendre les bandes. Ça, on les fait, c'est si. Oh mon dieu, j'arrive plus à formuler les phrases. Ah! Tiens, là il y a un passage. C'est vrai qu'on est vite parti du village maudit, j'avoue. Mais il y a un passage.
C'est quoi, c'est toi? Killing animals is good for trackers. I need a. Mais non, mais toi, non, mais casse-toi. L'informatrice. Ludern is probably the most hostile, dangerous region you'll ever see. But it also holds very profitable missions. Pourquoi ça se met pas là, genre comme ça là? Ah, mais c'est parti, oui, parce que là c'est tous les aliments en fait. Mais les aliments en cuit en fait. D'accord. On peut pas mettre par rareté, ça fait donne quoi? Par rareté, ouais, je sais pas. Par poids. Non, le mur reste type, mais des fois ça crée des trous en fait. Parce que c'est pas le même type de nourriture. Ça, c'est embêtant, ça. Ça c'est vrai que l'inventaire pourrait être un peu mieux géré de ce côté-là. Bon, on va acheter ça. I believe you know all there is to know about this region. Ok. Ça marche, merci beaucoup. Alors, ici. On n'a plus de nouvelles du clan de Neprune depuis un glissement de terrain. Les survivants semblent très isolés. Ça marche. Ah oui, je crois qu'il faut aider un village qui se fait attaquer, je crois. You're not from Edoran, right? We fought those vermin. J'ai pris le fromage, j'aurais pas dû. Croc swine meat. It tastes like swamp water. Swamp water. These pelts are so pristine that ghosts. Là. On va recharger ça. On a des iris des neiges dedans. On pourrait mettre des. Ça. Je crois que des marais, on en a quelques-unes. Faut qu'on regarde les plantes qu'on a. Il nous faut des poissons et des plantes. Alors, Tiltren, parce que j'ai tout mis à Tiltren normalement. Qu'est-ce que j'ai dit, des plantes? Déjà, on va prendre toutes les plantes. Et du poisson, 53. Non, parce que vu qu'on est en ville, on refait le plein de tout ça, comme ça on n'est pas à court. Voilà, très bien. Et on avait dit ça, on est bon. Ça, on est bon. Poisson. Ça, on va en garder quelques. Ok, ça marche. Je me vide l'inventaire et on se casse. Ça prend pas trop de temps. Ah tiens, essence de vierge. On n'a pas besoin. Le cidre, on en a plein. Ça, on n'en a pas besoin. Le sel, on peut en enlever beaucoup. Cure aussi, pas besoin. J'aurais bien voulu qu'il y ait un plus 10, moins 10. Ah, peut-être qu'on... Attendez. Ah, si, il y a. Ok, je n'ai peut-être pas besoin d'écrire, du coup c'est peut-être plus rapide. Peut-être plus rapide. Le 100 infecté, on va le garder. On est à combien? On est à 633, c'est très bien.
Cassos. On va aller faire un peu d'histoire. Ouais. Donc ici on va y aller plus tard, on va aller là-bas d'abord. Faut qu'on passe par... Ok, d'accord. Des fois, on a mis des pitons, mais je suis pas certain de pouvoir toucher la corde, en fait. Alors, talodé des arènes des tulles. Là, il y a la tour. Ancienne tour de guet. Ah ouais, ce plateau, on l'a pas fait. Ah, yes! Ah, le centre d'entraînement, nickel, nickel. Looking to improve your skills? Ooh. We offer various technical manuals, and we can also upgrade your weapons at a very affordable price. Stratégie dressage, lire pour apprendre une nouvelle stratégie pour votre table de stratégie. Ça tue? Dégâts des animaux augmentés de 10%. Ouh, c'est bien ça. Merci. Honnêtement, ici, on va peut-être l'utiliser parce que c'est vrai que. We offer various technical manuals and we can also upgrade your weapons at a very affordable price. On n'a pas vraiment besoin. Ça coûte combien de prendre genre un livre comme ça? Ouais, non, c'est trop. Alors, par contre, on va peut-être balancer un peu d'argent dans ça. Par exemple, l'arc. Il faudrait l'augmenter deux fois, l'arc. Looking to improve your skills. Okay. Looking to improve your skills? We offer various technical manuals and we can also upgrade your weapons okay. at a very affordable price. C'est bien, c'est bien. On peut peut-être augmenter encore un truc. Là, t'es niveau 8. Tarus, niveau 7. Bon, Tarus, tu fais déjà super mal, donc bon. La masse, peut-être. Looking to improve your skills? We offer various technical manuals and we can also upgrade your weapons at a very affordable price. Ok. Ah c'est hein, ça va vite hein, ça coûte super cher hein, de faire ça. Hein. Coûte méga cher. I love studying combat techniques from other regions. D'accord. Plus que 1600 quoi, c'est ouf. Ah tiens, c'est pas l'endroit de la carte. Ah oui, par contre, je voulais regarder du coup. Alors, faut voir. Opportunité, bon c'est bien parce qu'on a on fait beaucoup d'opportunités, mais j'avoue que on combat beaucoup d'animaux ici. Donc, enfin, j'en sais rien. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que quand je me dis d'opportunité, il y a beaucoup de... Il y a plus de gens qui font de l'opportunité qu'on combat des animaux, en fait, dans un sens. Puis les animaux, vu que c'est de la vie, nous, on les dote. C'est vrai qu'au final, c'est pas très intéressant. Non, au final, ouais, non. C'est bête, hein. C'est sympa, hein, mais... Mais au final, non... J'entends des bruits, j'entends de la musique. Ah, c'est pour aller au boss là, ok. Ça. Ah
Ah, c'est pas là où on peut... Ah, ça c'est pour les peintures, je crois. Village maudit. Ouais, le seul village maudit, ça attendra. On va pas le refaire de sitôt. What brings you here? This is a sacred place. Oh, you're interested in our war paints. You're not like most strangers. Usually, people from other kingdoms find our customs barbaric. Ah, je les trouve toujours barbariques, hein, mais c'est juste que les peintures, c'est cool. I could show you how we prepare the pigments if you promise not to touch anything. Very well, let's begin. The only problem is that I'm out of raw materials. For the most common color, I need to make bone char using, you've guessed it, bones. Just bring me a few animal carcasses. The swamp and the forest are hunting grounds where prey can be found in abundance. 20 carcasses, quoi. 20 carcasses. I'm still an apprentice, so I'm not allowed to handle pigments. My duties are limited to cleaning the coal oven and doing the laundry. But I'm not your average servant. One day, I will be a druid, and then even trackers will bow before me. Il y a différentes couleurs. 20 carcasses, c'est méga lourd en plus, 20 carcasses. On en a en ville. Hein. On en a en ville, à la limite. J'aime bien parce qu'on n'a pas vraiment besoin de faire les villages maudits. Donc ça, c'est bien. Il n'y avait qu'un seul qu'on devait faire parce que c'était lié à l'histoire, mais c'est tout. L'autre, non. Hop. 20 carcasses, t'imagines un peu. Je crois qu'il y a des gens qui vont se réfugier là plus tard dans l'histoire. Par contre, ça m'inquiète d'avoir peu d'argent comme ça. Ah, ils nous ont rattrapés, j'ai même pas fait attention. Je n'ai même pas fait gaffe. Il va falloir que je fasse de l'argent. Et les cadavres humains, ça vous va ou pas? Ah, j'imagine que c'est pas pareil, lol. Ah ouais, oh le terrain de merde quoi. Le terrain de merde. Est-ce qu'à eux ils peuvent faire tout ça là? Ça va être chaud, non? Quatre, cinq, six. Ça risque d'être un peu. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Là, ça c'est de 1. Ça
va se mettre ici avec le nounours. Voilà. Ah, ça marche bien avec la... avec le truc un peu augmenté. Tada. J'ai montré mon dos, c'est un peu bête, mais... ça arrive au même, honnêtement. Oh la vache. Violent l'ours quand même. Hein. Quand même assez violent, le coup de patte il pardonne pas. On peut avoir un peu de musique ou pas du tout? Ou c'est le mode silence là? Comment ça se passe? Joli. Ah, c'est le combat silencieux. Hein. Vraiment le combat silencieux. Hein. Hop là. Joli. Non, on va tuer tout le monde. Tarus fait super mal quand même. Ça. Vivement que les lanciers montent de niveau par contre. Hein. Vivement qu'ils passent aux nouvelles albardes. C'est des albardes en plus. Même pas des lances. Ça servir au même, hein, mais c'est pour dire. Par contre, je veux bien... merde, non, pas ça. Pas autant. Je veux bien prendre... un seul. De ressources partout. Alors, que veulent les gens? We've been trying to come to a decision for 2 days. Maybe you can help. Bien sûr. We closed off the secondary tunnel after hearing very unsettling noises. But since then, not a peep. We're hesitant to call upon the guard or the trackers, because if we raise the alarm for no reason, we'll be the laughing stock of the whole village. But if we destroy the barricade and a huge mischief of rats contaminates the region, everyone will blame us. Ah, toujours dans l'extrême, c'est bien. Do you think you could take a look for us? Bien sûr, si c'est des gens qui ont besoin d'aide, du coup vous les avez enfermés, ça fait 2 jours qu'ils peuvent plus sortir, c'est bien. Bien.
I swear the noise I heard came from a monster. Maybe a plague-ridden or a grotto? We must warn the guard immediately. C'est quoi un cornuc? T'es un animal. Très bien. Toi, t'as quoi à dire? I don't see what all the fuss is about. We hear strange noises in the mines all the time. Why fret about those in particular? C'est pas faux. Oh. Wow, je crois que c'est la première fois. Je me suis loupé, putain. Avec le lag. C'est la première fois qu'on utilise bûcheron dans un événement, je crois. C'est marrant, ça. Vous venez de trouver les responsables des bruits. C'est juste des rats. C'est juste des rats taupes. Ça, c'est quoi, un nid? Putain, 18. Ah là, si vous voulez une armée de rats taupes, c'est le moment, hein. Les attraper tous. Putain. Ils sont trois groupes. Ouais, ils sont trois. OK, comme ça. Devrait pas être trop dur. Muguet, lancier. Là on est un peu dispersé mais ça va. Ok, ça commence là. C'est le mode silencieux, quoi. Ça fait pas beaucoup de dégâts, quand même. Ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts quand il y a trop de cibles. Hein. Ça, c'est emmerdant. On pourrait toucher les trois là. J'aurais dû peut-être me mettre berserk en fait avant. Pas pouvoir passer en fait.
fait. C'est quand que ce soit Drakkar, j'aurais bien voulu que ça soit l'autre. Il va sûrement aller sur l'ours. Je voulais me mettre là pour pouvoir mettre un coup de lance. Mais si je fais ça, je peux plus passer en fait. Plus personne passe. Jamais je regarde meilleur ami. Quand j'aurai le temps, je changerai d'arme aussi. On va faire une... Je pense qu'on va faire une épée en givre acier. Franchement, bah c'est pas mal hein, maintenant les dégâts. Mais ouais, je pense qu'on va faire une épée en givre acier. Non, on va continuer parce que c'est... Les rats, on en a besoin en fait. Très bien. Faut que eux, je leur mette soin maintenant que j'y pense à chaque fois. Faut vraiment que je leur mette soin. Les deux voleurs, là, les deux assassins. Là. Ah putain, ils peuvent pas passer parce qu'il est trop. C'est trop petit. C'est la place pour un humain, ça. Ah, je vais devoir. C'est pas grave, on va devoir passer un tour, je pense. Et je vais pas utiliser ça pour passer à travers, ce serait débile. Ah, on va pas pouvoir le tuer, lui. Pas grave. Ce n'est pas grave. C'est bien. 14 carcasses. Il est presque. Oh, Drakkar, let's go. Let's go, niveau 8. Drakkar, niveau 8, ça y est. Alors, Drakkar, toi, t'es le support. On avait dit que ça, c'était pas mal. Alors là, t'as quoi t'as... Si cette unité termine son tour, non engagé, elle gagne fureur. Ouais, bof. Dégâts augmentés de 5% pour chaque bonus appliqué à cette... Non. Appliqué à cette unité et à l'allié cible autant de rage qu'ils ont de malus. Non. Quand cette unité tue un ennemi engagé avec un allié, cette unité et son allié gagnent esquive. Est-ce qu'il y a entièrement la prochaine attaque subie? Quand cette unité tue un ennemi engagé avec un allié.
Ouais, donc en support, genre passivement, tu peux faire ça. Tu peux faire ça passivement, donc tu tues, donc tout le monde gagne esquive. Donc c'est bien pour les tanks et tout ça. Ouais, non, c'est bien ça. Non, on avait dit de toute façon qu'on voulait tester ça. Donc on va tester ça. Vous sentez un courant d'air filtré à travers le nid, brûlé. Ok, il n'y a rien d'autre. Ah, c'est pas un nid de contrebandier, ça. J'ai découvert un secret, chercheur de vérité. Ce camp ressemble à débarcadère de contrebandier. Ok. Rats? Curses! We'll be on our guard from now on. Baptiste, thanks for checking. We owe you. Qu'est-ce que c'est que ça? A une chance d'augmenter le nombre de minerais récoltés. Ouh! Vachement bien ça, dis-moi. Et on est encore trop plein. Papalapam, palapam. Avec ce qu'on a récolté en carcasse, là, je crois qu'on peut récupérer le reste avec... à défendre le petit endroit là qui se fait attaquer. Dague abîmée, là, empoisonnement. La lame émoussée de cette dague était encore capable d'infliger de gros dégâts. Alors. On est beaucoup de différence. Ouais, quand même. Allez, les ours. Transporte. Je suis en train de me demander, le crocopore, honnêtement, il sert pas à grand-chose. Je suis en train de penser à ça. Le crocopore sert pas à grand-chose. Je veux bien garder deux ours, parce que bah, du coup, ça fait classe, en fait. Une troupe avec un ours de chaque côté, comme ça, là. Mais je vais être honnête, c'est vrai que le crocopore, on l'utilise pas des masses. Voilà, quoi. Plein de crocopores partout. Respectez. Arc de fuyard, flèche incendie. Ça c'est bien. Attends, c'est quel niveau? Fais voir. Eh, niveau 9. Hein. C'est pas mal. On va mettre un piton. You managed to get in despite the croc swine. I don't know what's gotten into them. Those wretched things usually stick to the swamp. For days now, they've been attacking anyone who tries to leave the village. The minute we let our guard down, they try to get inside the houses. The situation is dire. We're out of wood to light the warning beacon, and there aren't enough of us to wait for reinforcements. A little help would be appreciated. Well, ah, how kind of you. First, we need to deal with the warning beacon. We've already cut up everything we had. Only our walls are left. Find us some wood. So we can warn the other clans. On a du bois. This firewood could be our salvation. Thank you, mercenaries. Ah ouais, nous on est équipés, attention. Meet me in front of the fire. I'm going to prepare it. Could we find somewhere more private to talk?
Just a moment. Martoud. Do you think we stand a chance? Ah, ça, what if the other clans don't come? Would you like to buy something? Non, merci. It's possible that I'm not actually a merchant, and that perhaps I'm not unconnected to the Croxwine attack. All right, I admit it. It's all my fault. I made a mistake. It was an accident. I thought this experiment posed no risk, that the reagents were safe, but my measurements were off. No. I am an Alazarian scholar of note. I hold a university professorship. But these barbarians don't care. If they find out I'm responsible for their troubles, they'll have me hang. Let me slip away quietly before they start asking questions. Distract them when the reinforcements arrive. I beg you, I have a family. I'll give you all the crowns I have. D'accord. 150, c'est pas mal. Ça marche, ça marche. Ok, c'est là. Perfect. The oil and wood are all set. Once they see the warning beacon, the Yebel and Garusa clans will rush to our aid. There'll be enough of us to slay the Croxwine. But in the meantime, everything rests on your weapons. Flames drive the Croxwine mad. As soon as the fire is blazing, they'll attack. Steel yourselves. It's going to be a long fight. You can ignite the warning beacon whenever you're ready. C'est juste des cochons, hein. C'est juste des cochons, hein. C'est calmez-vous, hein. Tout le monde est... Je sais pas pourquoi je regarde si tout le monde est prêt. Je vois pas pourquoi on serait pas prêt. Ça va aller. Ça va aller. Alors, à la limite, eux, je vais leur remettre les colliers parce que... Parce que... Parce que poison et saignement des crocopores. Ça, c'est le problème, en fait. Est-ce qu'on fait un buff ou pas? Je sais pas. Fait de l'expérience. Putain, d'accord, on va devoir se reposer en plus. Ah, vous voulez qu'on se repose maintenant plutôt? Peut-être mieux. Ça nous fera baisser notre poids aussi. Ce sera pas en intérieur. Il est où notre poisson séché? Voilà. Normalement, je fouette personne. Prisonnier là, assommé pour s'échapper. Même a subi une blessure. Ah merde, il y en a un qui s'est échappé? Merde, il y en a un qui s'est échappé. 10% il s'est échappé. Alors... Montrer, faire une démonstration de ses talents au groupe. Il y en a un qui s'est échappé, quoi. Putain d'élite, quoi. Vache, quoi. Elles sont bien, hein. Vive l'élite. Hein. Mais maintenant, on est trop lourd pour transporter. Ah
Venez à l'attaque. Toi, t'as plus de poissons. Alors, on va vous allumer le feu de l'alarme, oui. Ah, je me suis pas buffé, putain. Attendez! J'ai pas buffé l'expérience. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon. Ils font tout le tour pour nous. Et l'autre, il s'est échappé. J'espère qu'il se fera bouffer par les crocopores. Ça lui apprendra à ce con. Échapper comme ça. Alors, on a des renforts. Deux renforts en approche. Ça marche. Bon, on va peut-être faire un... Peut-être se mettre dans un coin. Après, on pourrait essayer de tuer tout le monde en une fois. Sans avoir de renfort. J'avoue que c'est une des solutions. Mais les crocopores, ils ont quand même beaucoup de vie. Ça m'étonnerait qu'on puisse tous les tuer sans... Ouais, non, on va peut-être... On va pas pouvoir, je pense. On va se mettre là et on va les faire venir. C'est vrai que d'avoir des animaux en plus comme ça, ça prend beaucoup de place. J'avoue. On va peut-être virer le crocopore. Qu'on a, c'est marrant 5 minutes, mais après... J'aurais dû mieux choisir... Ah putain, il s'est fait piquer par les trucs. Ah, quel con. Je regarde même pas, quoi. Il s'est fait piquer par les abeilles. Comme j'ai dit, le crocopore, on va pas le garder, donc... Ah, par contre... Ouais, non, mais il devient pas gras, lui. Il devient pas gras, donc... on s'en fout un peu qu'il crève. On s'en tape un peu qu'il crève, le machin. Après, je vais être honnête, je veux bien faire les renforts parce que du coup, ça nous donnera pas mal de nourriture. Parce que les crocopores, c'est pas des trucs qu'on combat tout le temps. Donc autant en profiter.
Ils sont quels niveau 8, 9. On pourrait prendre des gros copeaux niveau 9. Ah là là, ça sert à... Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce qu'on a du poison et tout ça. Voilà, tu vas tanker. Parce que toi, tu peux, tu risques rien avec le poison et tout ça. Donc, reste à l'écart. Toi, tu vas mourir. L'ours, on va le mettre ici. Allô? Ah merde, mais c'est mon croco. Il y en a plus qu'un là. Bah au final, ils font pas très mal. Hein, quand même. Ils font pas extrêmement mal. Le croco, les sangliers, tout ça, c'est bien pour les champignons, en fait. Et c'est à peu près tout. Très bien, on va les laisser venir. C'est bien de combattre avec dans la nuit, avec le bruit du tonnerre, de la pluie. Beau, non ? Le sanglier, vu qu'il est haut niveau, lui on le gardera. J'essaierai de... peut-être après cet épisode, j'essaierai de tuer des gens. 5 personnes là d'affilée là, pour essayer de voir si je peux pas débloquer la musique. Là, si je l'envoie avec des crocopores, du coup il va se faire empoisonner et tout ça, ça va être compliqué. Ils ont trop de vie pour que ce soit lui qui les tue. Et renfort. De 4, on passe à... Round de renfort restant. Ah! Oh. Ok. Non, mais en fait, on a complètement le temps de les tuer. On a complètement le temps de les tuer, d'accord. Est-ce qu'on va pouvoir tuer à deux? Je pense que... Il me faut les carcasses quand même.
Bah, j'avoue que je voulais voir les renforts, mais s'ils viennent encore dans deux rounds, c'est bon. Quoi. On va pas attendre deux rounds non plus, hein. Faut peut-être pas exagérer. Ah voilà, on a assez de carcasses. You've done it. Mercenaries, you saved us all. The others are already headed to the market. Let's make haste and join them. Ouais. On arrive, hein. On arrive, hein. On va devoir prendre le boost. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, j'ai ça, moi aussi. Enfin, même si c'est pas vraiment très intéressant. Ok, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, alors, putain, fais voir, je voulais regarder ça. Ouais, c'est juste les habiletés d'un sanglier normal, c'est juste la frappe déconcertante, en fait, qui change. Là, il y a une frappe et l'autre, il fait juste déstabiliser. Lui, il devient gras. On peut le mettre au feu aussi. C'est vrai qu'on peut le mettre au feu. Ah, lui, il aime bien le feu. Tu veux être avec ton copain, le rat. Le rat, c'est parce qu'il fait du fromage. Il récupère du fromage et on en a besoin pour la fondue. Lui, il récupère des champignons. On n'en a pas besoin des champignons, en théorie. Mais voilà. Transport. Toi, tu sers un peu à rien. Et tu deviens pas gras, en plus. Donc j'avoue que tu sers à rien. Transport 32. Ouais, par contre, c'est un sanglier de trait. On aurait dû mettre sanglier de trait à l'autre. Parce que j'ai pris bon compagnon. Mais au final, bon compagnon, ça sert un peu à rien. C'est vrai que sanglier de trait, c'est quand même nettement mieux. Donc ouais. Pour l'instant, tu restes avec nous juste parce qu'on a besoin du poids. Alors... Il est là, notre déserteur, il est là. On trouve sympathique. Bah oui, au bout d'un moment. Tu te remets à travailler. 10%, très bien. là, il y a des... Ah non, mais la mine, on la connaît. Je vais voir si on retourne dans le camp, s'il y a des trucs à faire. Je crois pas. Normalement, le mec, il est parti, je pense. Non, il est pas parti. You remember our agreement, right? Go on. Distract them. I'll make myself scarce. Ok. Don't be shy, mercenaries. Help yourselves. This feast was prepared for you. Yeah. All this is in your honor. Without your help, we all would have ended up as croc swine food. You are part of the clan now. Part of the family, so to speak. So please accept this gift as a token of our appreciation. Donc on peut dénoncer le mec. Alors moi, je l'avais pas dénoncé. Ouais, on a juste de l'argent en plus, en fait. On a 150 en plus. Oui, non... Expérience sur les crocopins, accéder à récompense. Ouais, on va rien dire. Alors, fruits confits, deux fois côte de loup là, c'est très bien ça. I nearly broke my leg on the way, twice even. I'm too old to be running like that. I was having a bath when I saw the beacon. I had to get dressed on the way. The market vendors won't soon forget that. Après, je me demande, il disait l'équipe
adverse. Donc normalement c'est plus de crocopores qui venaient. Mais je suis en train de me demander si c'était pas des renforts pour nous. C'est pour ça que c'était dans deux tours. Ah, poor souls. Cheers, mercenaries. Solidarity is what's held Harag together for a thousand years. Ouais, trop when bien, a ouais. clan is attacked, the others stand ready to lend their aid. Always. Bon, bah c'est bon. On peut se casser. Cassos, allez, on s'y va. L'étrange lettre est parvenue. Quelqu'un vous attend dans les la chaumière isolée. Ça marche. Il est là, le mec. Nous, faut qu'on rentre, hein, parce qu'on a le poids. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Même là, on a plus que 16. Ok, allez, Cassos, on rentre. Par là-bas. Absolument rentrer avant qu'on soit fatigué. Ah! Oui, non, mais l'arbre, il est trop loin. Non, non, on rentre d'abord. J'aurais dû aller... J'aurais dû aller à l'arbre, en fait. C'est pas grave. Bon, peut-être qu'on peut faire l'aller-retour, honnêtement. C'est pas si loin que ça. Cassez-vous, les zombies! Non, ouais, ça va, c'est pas si loin que ça. Allez! On va acheter tout ce qu'il y a au marché. Ah ouais, non, enfin, peut-être pas. You're not from Edoran, right? We fought those vermin for 30... 1400. Ok. Faut que je fasse un peu attention à mon argent, moi, par contre. Là, on commence à... Si on fait pas de mission, on va vite tomber à court d'argent. Très vite. 322, quand même. On n'a rien d'intéressant, en plus. Ouais, 322 par toutes les trois nuits, ça va aller vite. Hein. Voilà, on fait voir. Ah, j'irai peut-être farmer entre temps. Alors, on avait dit. Il nous en faut 20. Donc, ça, on garde. Ça, on range. Crocopore. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ça? Ça. Écailles de crocopore, ça c'est pour faire les potions. Potions qui perforent, ça c'est bien. Par contre, ça donne pas beaucoup de viande de crocopore. On en a tué 14, là on en a eu que 6. Quoi. C'est un peu... Mais bon. Alors ça du coup... On n'a plus besoin parce que du coup on récupère plus de ressources quand on mine. C'est mieux que de récupérer des pierres précieuses, parce que les pierres précieuses on en a plein. Toi du coup... Toi du coup. Hop. Le râteau pour une garde, on avait dit. Toi t'es revenu. Le sanglier, on le garde aussi pour le moment. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Notre poids est bon, on peut partir. Ouais. Et on est à 85, ça va. C'est sans parler de toute la nourriture qu'on a récupérée hein, depuis. Parce que ça va faire... My grandfather was a soldier in the Edoranian Legion.
He fell in love with my grandmother during the war. You know what he did? The blighters switched sides. Trop bien, trop fun ton histoire. Donc je disais quoi? Ah oui, on va devoir changer l'équipement aussi. On va devoir changer l'équipement. Fais voir. Putain, il faudrait arriver à l'arbre avant d'être fatigué aussi, je voudrais bien. Alors, on veut... Donc ça, c'est l'équipement de Drakkar. Fais voir. En Drakkar, on fait ça. On enlève les renforts. On enlève ça. Donc, on peut ranger ça. Merde, c'est pas par là. Très bien. Les renforts, ils sont là, c'est cool. Tiltren. Donc, il nous faut armure intermédiaire, c'est ça? Ouais. Ça, c'est, il reste plus qu'une légère, ce sera pour Philacte. Intermédiaire en givracier. Oui. Encore. Il y a l'arme aussi. Alors normalement, j'ai fait des armes. Qu'ils traînent, je crois. Ça. Hallebarde en givracier. Célèbre pour les ravages qu'elle a infligés aux légionnaires d'Edoran pendant la conquête d'Alazar. Cette hallebarde est maniée par l'élite des piquiers. Ouais. Très bien. Ouais, l'épée est à deux mains en givracier, ça m'intéresse. Je vais être honnête. Parce que l'autre, elle fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Très bien. Et on va poser l'autre. Voilà. Il faudra qu'on lui mette... Elle est jolie, hein, très jolie. Il faudra qu'on lui mette des potions. Voilà. Ah oui, c'est pas pareil les dégâts. Hein. 36-44, oui, non, c'est pas pareil. Là, c'est bien. Est-ce que j'ai des potions qui traînent? Ça, c'est quoi? Dégâts infligés aux unités pestiférées augmentent. J'avoue que les dégâts aux pestiférés, c'est quand même vachement intéressant ici. Hein, au final, hein, quand on y pense. J'ai limite envie de les mettre sur les archers. Quoi. Ouais, non, mais j'ai rien. Non, mais tout ça, je le ferai de mon côté. C'est pas grave. Elle est jolie, l'armure. C'est où? C'est par là-bas. Alors, je veux d'abord aller donner les carcasses. Comme ça, on aura fait les carcasses. Il est quelle heure? Ouais, on va devoir mettre fin à notre épisode. Peut-être que je vais faire une pause, moi. Enfin, pas une pause. Mais... Non, oui, si. Genre, on arrête l'épisode et je vais peut-être faire une pause, genre récupérer un peu d'argent, augmenter les armes. Je sais pas trop encore. Ou alors j'enchaîne directement sur la suite. Je sais pas. Non, je voudrais d'abord aller à l'arbre. Allez, le cochon. Alors je crois qu'il faut les payer en... Avec les crocs parfaits, je crois. Les peintures. For the most common color, I need to... These carcasses will do nicely. Now we'll bury them and leave them to burn for a few hours, shielded from the wind and sun.
Super. The resulting bone char is of a pure black color, aptly called bone black. We use it as paint pigments, but some clans prefer turning it into tattoo ink. All right, it's time to reap the rewards of your work. The char is perfect. Are you ready for your transformation? Peinture de guerre, oui. Alors, Laura. Alors, fais voir. Peinture et couleur motif. Ah, il y en a pas mal, hein. Fais voir. T'as la couleur. J'aime bien le rouge. Je crois qu'elle, on va lui mettre, je dirais bien, le crâne. Ça, c'est basique, mais... J'aime bien ça. Ça sert à rien, ça. Ça change pas les stats, rien du tout. C'est juste cosmétique. On va lui mettre le crâne. Elle, ce sera le crâne. Zoomer, non. Là, ça sera le crâne, je pense. C'est ce que les gens verront en premier quand elle commence à jouer. Does this suit you? Ouais. Would you like another ornament? Gros parfait. En... Ah, c'est que 20. Ah, ça tue, ça va. Je pensais que c'était plus cher. Does this suit you? Would you like another ornament? Je pensais vraiment que c'était plus cher en fait. Alors, en archer. Ça fait comme si elle avait une flèche sur la tête. Does this suit you? Would you like another ornament? On les met tous de la même couleur. J'en sais rien en fait. Does this suit you? Would you like another ornament? On va voir un peu. Ouais, on les met tous de la même couleur. On en met à tout le monde. Does this suit? Would you like another ornament? Ça va, c'est pas chiant. Does this suit? Would you like another ornament? Là, on peut changer, hein. Puis vous avez vu qu'il y a des peintures où il n'y a rien du tout, donc du coup, on peut vraiment revenir en arrière si on veut. Does this suit? Would you like another ornament? Ouais, parce qu'on a plein de crocs. On va faire l'équipe entière. Par contre, je me demande si on n'aurait pas dû faire des couleurs différentes, mais bon.
Does this suit? Would you like another ornament? Encore. Oh putain, il y a encore tout le monde. Oh là là. Encore 4. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Peut-être que je vais changer. Changer les couleurs. Il me reste encore. Ouais, il me reste encore pas mal de crocs. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, on continuera donc notre histoire. On ira à la chaumière isolée. Je vais voir si jamais je fais un petit truc entre temps ou pas, genre farmer un peu d'argent et tout ça. Mais sinon, on continuera du coup l'histoire principale. Je vais peut-être changer les couleurs de des peintures. Que tout le monde ait des couleurs différentes en fait. Peut-être, je sais pas. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.